Bonjour, scrappeur de France, tout pays. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ouais, voilà. Je sais pas trop. Ouais, oui, je capte un peu. Bon, c'est pas grave. C'est le réseau. Il est comme ça. Par moment, il est comme ça. Par moment, c'est derrière. Bon, enfin, bon, c'est comme ça. Voilà. Donc, je reviens. Je vous fais une petite vidéo quand même parce que bon, ça me fait une pause parce que j'ai encore une étagère à monter qui est arrivée hier, qui est arrivée en fin de l'après-midi. Je l'attendais hier de la journée, je suis resté à la maison toute la journée à attendre, attendre, attendre. Ils sont arrivés, bon, mais en même temps, il faut que je la monte et puis que je range. Mais bon, c'est toujours pareil, j'ai toujours du tri à faire. Ceci dit, j'ai eu une heureuse surprise aujourd'hui. Eh bien, j'ai passé la barre des 500 abonnés. Ça fait tout drôle. Pour vous dire que je ne m'attendais pas. Ben là, on peut dire en 7 mois, atteindre 500 abonnés. Pour moi, c'est énorme, quoi. Je ne demande pas à avoir. C'est vrai qu'à un moment donné, bon, les abonnés, je disais, bon, c'est pas. Oui, mais bon, ça prouve que bon, mais ce que je fais, quelque part, c'est. Ben, ça vous plaît, déjà. Voilà, sinon vous ne regarderiez pas. Hein, même si vous ne le regardez pas en entier, ça c'est. Voilà. Donc, ben, par rapport à ça, je vais réfléchir. Comme je vous ai dit, je fais quand même du tri, des choses. Je ne vais pas acheter, parce que j'ai pas mal de choses que je vous ai dit que j'ai eu acheter. J'ai eu, comme tout le monde, je vous l'ai dit, la fièvre acheteuse, mais je pense qu'elle m'a passé. Donc, voilà, j'envisage, mais il faut voir comment ben, je vais le faire, ce que je vais demander, il faut que j'y réfléchisse à ça. Faire un petit concours pour les 500 abonnés, et ça, c'est voilà. Mais ce sera dans les mêmes conditions que pour le tout premier que j'ai eu fait quand j'ai ouvert la chaîne, quelques semaines après, enfin, pas longtemps, quoi, je crois 15 jours, à peu près. Voilà. Ce sera. Voilà. Je sais pas. Pour l'instant, je vais vous dire, ce sera ça et ça, mais pas de fioritude, pas de dépenses de sous, surtout quand ils sont au mal, les sous, faut les compter, hein, et puis il faut en avoir besoin. Alors là, aujourd'hui, je reviens parce que je vais vous faire un petit retour de course. Ouais, voilà. Un petit retour de course. Ouais, retour de course de chaque action. C'est ça. Puis, faut que j'aille doucement, la table est en verre et puis les trucs. Voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose. Hein. On part chez nous, ça y est, ouais, les nouveautés, elles y sont arrivées. Ah, je les ai vues, le pâte d'encre dans les boîtes. Mais ça, c'est mon opinion, c'est mon ressenti. Quand on voit l'épaisseur du tampon, hein, tant qu'il n'est pas ouvert, ça ira. Mais quand on voit les épaisseurs des pâtes en gouttes d'eau, là, ceux qui faisaient avant, il y en a beaucoup moins. Alors je pense que quand ils vont être ouverts, ils vont sécher. Bon, il y a des bris, j'ai pris du brocoli, je vais vous dire ce que j'ai acheté. Je vais vous montrer. J'ai acheté ça. J'ai acheté ça. Mais attendez, je vais vous descendre sur les mains, hein. Ça sera mieux. Hein, parce que bon, moi, je m'artaille. Vous voyez là? Ouais. Donc, le du coltan, ça me tape. Hein. De toute façon, pour ce qu'il y a à boire, c'est tout défraîchi, c'est voilà. Mais je me suis pris un tapis en silicone. Parce que j'ai vu une vidéo de Cramélan, elle s'en servait, mais moi je sais pas, c'est pour faire ce que elle s'en servait pour ses dailles. Donc il faudra que j'aille voir ses vidéos. Elle avait acheté un sur machin. Mais en fait, ce truc-là, c'est pas donné. Le ticket de caisse, attendez. Est-ce que je vais le trouver? Ça y est, je fous tout par terre, c'est pas grave. Je le ramasserai. J'ai oublié de me prévoir le ticket de caisse. Ça c'est le drive. Ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Je vais le trouver! Et voilà. Il est là. Alors, le tapis en silicone. Oui, je sais, j'aurais pu marquer. J'ai pas envie. Je fais comme je veux. Tapis de cuisson, 3,49 €. Voilà. 3,49 €, on bidule comme ça. Bon. Alors, ah si, il va falloir que je vous fasse une autre vidéo parce que j'ai complètement zappé. Je vous avais fait la vidéo de présentation des produits de Coco Rosa. Mais voilà, donc dans tout ce que j'ai eu commandé, d'ailleurs, il y aura peut-être des lots de. Voilà, voilà. Donc ça, c'est 3 euros. Non, si, je sais plus. Ça y est, je perds le nord. Où c'est que je l'ai vu? 3 euros, voilà, 3,49 €.
Bon, après, j'ai pensé à mon titi. Voilà, je lui ai pris ça, je lui ai pris ça, je lui ai pris ça, et je lui ai pris ça. Bon, ben, il y en a pour 12 jours, là. Et, d'ailleurs, qui est titi? Il est là. Viens me voir. Viens voir maman. Viens voir la vieille. Eh ouais, tu les réclames tous les jours, hein. Tu l'as pas eu aujourd'hui, tiens. Allez, viens là. Viens là. Allez. Là. Voilà. Allez, tu as son coussin. Ouais, d'accord. Bon, voilà. Donc, j'ai pris ça pour les titis. Ouais, mais vous voyez, je fais pas des grosses dépenses. Mais bon, ça, c'est. J'en ai pour 12 jours avec lui. Je suis tranquille. Il en a même par jour. Ça suffit. Alors, ces trucs-là, pour ceux qui ont des toutous. Parce que ça, c'est de la viande séchée autour d'une espèce de coin séché aussi. Ça, c'était, c'est un, je sens je le connais par cœur, mais enfin bon, je vérifie quand même. €1,49, voilà, voilà, voilà pour mon titi. Bon, après, moi j'ai pensé à moi. Bon, ben oui, je me fais pas souvent plaisir, mais bon, là, je vais me faire des rillettes de thon. Voilà. Alors, pour tartiner un petit peu dessus, oh, je ne vais pas tout manger à la fois, hein, parce que quand même, il y a du sucre là-dedans. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme sucre? Oh non, pas tant que ça, finalement. Pour 100 grammes, il y en a 1,8 g. Et c'est un sachet de 150 grammes. Ça, j'ai payé ça combien? Pain à l'ail, 1,19 €. 1,19 €. Et vous en trouvez chez Action, vous en trouvez aussi dans les grandes surfaces, hein. Parce que quand je l'ai montré à ma fille, elle m'a dit, celle de Vézier, elle m'a dit qu'elle l'avait. Bon, là, il y a ça. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ouais, bon, je me suis repris. Oui, je me suis repris. Ça, c'est dans le scrap. Oui, ça, c'est mélangé. C'est... Là, je me suis repris une boîte comme ça. Parce que je pense que je vais en avoir besoin. Alors, la boîte de rangement. C'est pas ça, c'est pas ça. Ah oui! Ça, ça devait être, c'était 12 euros et quelques. Ah! Boîte laser à compartiment, 2,77 €. C'est augmenté ça aussi. Bon. Après, dans les boîtes de rangement, j'ai trouvé ça. Bon, ça, c'est pas la première fois que je le vois. Alors ça, c'est autant pour vous, mesdames, que pour vous, messieurs. C'est des lots de 3 boîtes. Oui, je sais, c'est pas... Mais bon, pour mettre des petites perles, des petits trucs quand on veut se préparer ou comme ça. Alors, le lot, c'est rangement d'outils, 3 pièces, 2,99 €. Hein. Ça, c'est au rayon bricolage. Voilà, je vais vous l'ouvrir. J'ai dit je vais l'ouvrir, si je le fais avec le pouce ça va pas aller, voilà, je vais vous montrer comment c'est, ah il y en a deux petites, ça c'est sûr, pour mettre des petites babioles ou comme ça, pour ça, voilà, allez hop, ça on va le mettre là, voilà, et à la grande, dans la petite, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 compartiments, voilà, et quand vous entendez, ça se ferme bien. Donc vous voyez, là, il y a 8 compartiments. Ça, c'est la petite. Voilà. Bon, il y en a deux, je ne vais pas ouvrir les deux. Hein. Voilà. Ça, il y en a deux petites et il y en a une plus grande. Il y en a un peu moins de compartiments, mais il y en a un long. Il y en a un moins long. C'est-à-dire la moitié de celui-là, à peu près. Et puis, il y en a 6 petits. Voilà. Et puis, vous entendez, hein, ça se ferme. C'est... Voilà. Quand c'est du bricolage. C'est pas systématiquement d'aller regarder au rayon des plastiques et tout ça. Elles sont bien, ceux-là. Hein. Mais bon, ça, c'est... Voilà. Ça, c'est du rangement. Voilà. Ça, c'est du... Voilà. Bon, qu'est-ce que je me suis acheté? Ah, si, je me suis fait plaisir. Oh, punaise. Je me suis trouvé des tasses. Tiens, des mugs. Il y en avait une noire. Une blanche. Ouais, elle paraît pas très blanche, là. Mais enfin, bon. Et puis une verte. Voilà, donc je me suis pris 3. Ben oui, moi je déjeune là-dedans le matin. Un café comme ça, et puis voilà. Voilà, donc j'ai fait ça. Tiens, on va les mettre là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Après, je me suis pris ça. Alors ça, c'est...
Vous savez tous, comme moi, que les chiens, ils ont des odeurs. Moi, le mien, il est lavé toutes les semaines. Et, enfin, à l'eau, hein, juste, ils prennent une douche, ils sont contents. Et ça, c'est de la lavande. Lavande et patchouli. Je mets ça, je fais le lit, je mets ça dessus, je fais le canapé, j'arrange les couettes, je mets ça dessus. Voilà. Il y en a un autre. Je l'ai là, d'ailleurs. Attendez, je vous le montrerai. Tu permets? Toi, tu vas pas me casser les pieds en table. Sors de là. Voilà. J'arrive, hein. Il m'avait juste fauché quelque chose. Voilà. Il m'avait juste fauché un truc. Voilà. Et il y a celui-là aussi. Que j'utilise, celui-là j'utilise pour la salle à manger et c'est Waterly et Vétiver. Vétiver, ça tient, ça me rappelle la brillantine que mon papa il mettait. Autrefois dans les cheveux, les hommes ils se mettaient ça, ils se peignaient, puis ils se mettaient de la brillantine. La brillantine c'était Vétiver. Bon, j'ai pris ça, mais autrement vous savez qu'il existe comme ça. Ça c'est le truc pour parfumer, fumer. Le tissu, ça sent bon, j'aime bien. Et ça je l'ai payé. Je l'ai payé, je crois que j'ai payé 1,19€, je crois. Ah non, 1,15€. Je me suis. Oui, mais il a augmenté aussi. Bon, et après j'ai trouvé. Ah, j'ai. Si, il y a des trucs que j'ai pris. Là maintenant, bon, là, on passe au craft. Au scrap. Au craft. N'importe quoi. J'avais vu qu'il était passé des petites. Il y a un truc qui va pas là. Ça, c'est pas ça. Des petites perles comme ça. Alors, j'en ai pas pris 50, hein. Ça coûte pas cher, mais j'en ai pas pris 50. Je les avais vues et ceux-là, je les trouvais douces. Et puis pour le printemps, comme ça. Voilà. Alors, il y en a un rose et un rose et un ça. Voilà. Là, voilà. Et puis, il y en a un comme ça et un comme ça. Voilà. Donc, j'en ai pris deux de chaque. Ça suffit parce que, bon, des demi-perles, j'en ai. Des comme ça j'en ai, mais bon, ceux-là ils sont jolis, ils sont pas, ils sont doux. Les bleus je les trouvais un petit peu trop, enfin il y a plusieurs couleurs, hein. Alors si vous y allez vous verrez. Et ça j'ai payé ça combien? Alors c'est par 4, donc elle ne les a pas comptés. Boîte plastique, si je l'ai vu tout à l'heure. Pierre à coller, voilà, 74 centimes. L'unité, 74 centimes. Voilà. Et puis après, je me suis pris des trucs comme ça. Pour les fils. Alors, il y en a plusieurs. Là, j'en ai pris deux. Bon, c'est des trucs qui sont adhésifs que vous pouvez coller au meuble. J'ai pris ceux-là parce qu'ils sont. Ça et ceux-là, c'est la même taille. Ceux-là, ils sont plus larges. Je sais pas si vous verrez. Au niveau là, vous verrez que ceux-là sont plus larges que ceux-là. Et ceux-là sont de la même largeur que le petit, à part qu'ils sont ronds, si vous voulez mettre comme fil ou si vous voulez. Mais enfin, ça permet de. Comme moi qui suis tout le temps en train de me chercher mes fils, voilà, ben voilà, je pourrais m'organiser. Voilà. C'est pour l'organisation, ça. Et ça c'était en promo. Ça, c'était la promo. Et puis, organiseur de câbles, 79 centimes. Voilà, j'ai pris deux. Et puis, j'ai trouvé une petite nouveauté. Bon, c'est pas grave, c'est pas ce que ça. Voilà. Vous vous rappelez les petits nichoirs? Le petit nichoir que je vous avais fait avec Oui? Avec les écorces et puis les trucs de pignes de pin. Eh bien, il y en a des nouveaux. Il y en a un comme ça, avec la cheminée. Voilà, il y en a un comme ça. Oui, bon, mais ça, vous la levez, hein. Parce que sur les autres, bon, c'est vrai que ça y était pas. Il y en a un comme ça. Moi, j'ai jamais vu une vidéo, hein. Pourtant, j'en regarde, mais bon. Quoi que, bon, bien souvent, je dors devant. C'est comme la télé. Voilà, et puis il y en a une comme ça, là. Voilà. Ah, j'ai ça pour faire. Quand je voudrais refaire mes décos de Noël, ben ça, je le coupe si je veux.
Et puis je colle mon écorce, tout ça. Là, on peut l'ouvrir, hein. On peut l'ouvrir. Il suffit de prendre une petite lame de Siametto ou un Dremel, et puis avec une lame, et puis on l'ouvre, quoi. Voilà. Moi, j'en ai pris qu'un de chaque. Un de chaque, les nichoirs. Comment ils mettent, ils ont marqué ça, nichoir, ou c'est pas ça, c'est pas ça. Il n'y a pas grand-chose, hein. Les nichoirs, voilà. 84 centimes. Ah oui, elle les a comptés en trois fois. Elle les a pas comptés tous à la fois. Bon, 84 centimes. Donc, c'est mignon. Si on peut faire un petit village de Noël ou comme ça. Oui, je sais, c'est passé. Eh bien, moi, voilà. Oui, je sais, j'en ai. Mais bon, ça, c'est une idée que. Voilà. J'avais eu avec les autres nichoirs, mais ceux-là, ils sont nouveaux. Voilà, vous voyez, ceux-là, ils sont vraiment nouveaux. On ne peut pas dire autrement. Voilà, là, il est comme ça. Là, ici, au lieu d'être plus haut comme l'autre qui arrivait là, qui arrivait à peu près par là, la hauteur, ouais, par là, il n'y avait pas la cheminée. Donc, je vais vous dire ça, et on peut se le faire avec du carton, hein, c'est vrai. Mais bon, bref. Oui, c'est à faire. C'est une idée, tiens. Bon, t'es, voilà, t'es une idée comme une autre. Bon, celui-là, il n'a pas la cheminée. Mais bon, voilà, pour faire un petit village, voilà, des petites maisons pour un village, et puis voilà, quoi. Voilà. Donc ça, 84 centimes. Et puis, j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé quelque chose, parce que comme je vous ai dit, bon, j'avais fait des trucs, des classeurs de, voilà. Et puis bon, ça me. Et je veux me ranger, mais ou les tampons, ou les matrices de découpe. D'ailleurs, il y a des matrices de découpe que j'ai mis dans des classeurs, que j'ai défait, que j'ai mis dans les classeurs, mais que je ne me suis jamais servi, que j'ai acheté. Oh, ça me servira. Donc, ça fera certainement partie des lots qui seront oui, dans le concours. Maintenant, bon, pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais y mettre. Voilà. Donc, ce sont des albums photos. Alors. J'en ai vu quatre. L'autre, je ne l'ai pas pris, il ne me plaisait pas. C'était Panthère, ça fait Cougar. Je ne suis pas Cougar, moi. Bon, il y a celui-là. Voilà. Il y a celui-là. Alors, il y a écrit Mémorie. Bon, ben, à la limite, je pense même que. Si le truc ne vous plaît pas, faites ça. Parce qu'on peut l'enlever. Voilà. On peut le lever, et puis là, vous y collez autre chose. Hein. Là, ici, sur le memory, là, vous voyez, regardez, ça s'enlève. Sur le memory, hein, vous pouvez l'enlever. Alors, il y avait ce modèle. Tu vas rentrer, ouais. Oui, mais il est douce. Voilà, il y avait ce modèle. Donc, avec l'élastique rose gold. Là, il y avait ce modèle avec l'élastique rose gold. Oui, je sais, je vais vous expliquer après. Bon. Et puis, il y avait ce modèle fleuri, il était joli aussi. Il était pas mal. Là, il y a marqué Enjoy the Little Thing. Et là, il y a juste Memory. Voilà. Donc, c'est toujours le même topo. Finalement, à l'intérieur, qu'est-ce que c'est? Ce sont des. Tiens. Et attendez, parce que j'en ai vu un là, je vais regarder celui. Non, c'est moi ça. Ah ouais, il y est. Ah ouais, bon, c'est pas grave, ça va. Voilà. Ah, ou j'y mets dedans des cartes que j'aurais faites, ou des dailles, ou des tampons qui rentrent dans la pochette. Voilà, il y a quand même 50 pochettes. Et comme je vous disais, là, voilà, j'étais surprise. Ça, c'est pas du plastique, ça c'est une cartonnette qu'ils ont mis là. Et puis là, qui est grise, d'ailleurs elle est grise partout, sur tous, je crois. Je ne dis pas d'annerie. Voilà. Celui-là, oui, l'élastique est argenté. Bon, voilà. Ouais, bon, le gris diffère un peu sur celui-là. Et sur celui-là, il est. Ouais, je crois qu'il est rose. Ouais, bon, il est rose, hein. Ouais, bon, ben, enfin, bref, voilà. Donc, je vous disais, ça va me servir à ça. Je l'ai pris pourquoi? Il y a 50 feuilles. Regardez l'épaisseur du machin. Et regardez. Enfin, de cet album photo. On va le mettre comme ça, on le verra mieux. Il y a 50 feuilles de 11,4 sur 15.
C'est à peu près les cartes qu'on fait. Voilà. Donc là, vous voyez, il est pas épais. Mais regardez là, le ressort, comme il est gros. Ce qui fait que même si vous rentrez, voilà, je le mets à plat. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je le mets à plat. Et si vous le remontez à force, bien sûr, ça va faire de l'épaisseur. Vous le remontez, et bien voilà. Vous voyez? Regardez. Si vous le remontez, vous garnissez vos pochettes, et bien voilà. Ça peut servir en scrap. Donc voilà. Ça peut-être. Et ça, je l'ai payé. J'ai pris. Album photo. Alors, 1,39 €. Bon, je trouve que pour faire un rangement, bon, je sais, j'avais pris les trucs là aussi que je vous avais eu montrer à Noz, mais entre ça et puis les trucs que j'ai pris à Noz, ça va me faire pas mal de rangements et puis ce sera plus joli que les classes. Bon, quand on commence, c'est comme je vous ai dit, j'ai tout fait, mais en dépit du bon sens. Voilà. Bon, mais bon, voilà. Donc, je m'en suis pris 3. Et bien, voilà. Et bien, pour le coup, avec tout ce que je vous ai montré, j'en ai eu pour quand même 37,72 €. Bon. Ça, et ça, c'est. Bon, ça, c'était obligé. Bon. Ça, j'étais pas obligé. Mais bon, hein, voilà, quoi. Hein. Par moment, il faut aussi savoir se faire un plaisir. Mais autrement, vous pouvez voir, j'ai décidé d'être raisonnable. Bon, c'est vrai que là, j'y suis sur ces boîtes, sur les pichets, ouais, c'est cela. Sur les pochoirs, les niches. Bon, je vais y arriver, hein? C'est pas grave. Non, mais c'est. Cherchez pas docteur, c'est la tête, hein? C'est pas au derrière, hein? Voilà. Donc, bon, ça, oui, j'ai dit, mais j'en ai pas pris 50, j'en ai pris. Voilà, j'en ai pris qu'un de chaque, sachant que moi il m'en reste des autres. Et j'ai aussi le grand nichoir. Donc ça va me permettre l'année prochaine, si je veux, ça ira. Bon, et j'ai pas. Qu'est-ce que j'ai acheté en scrap? En scrap, j'ai acheté ça. J'ai acheté pour le scrap ça. Ouais, les câbles, bon, parce que c'est l'organisation. Et ça, alors ça, non. Voilà. Voilà ce que j'ai acheté. Voilà. Et j'ai acheté raisonnablement. Et ça a été pour moi des achats réfléchis. Voilà. Parce que là, dans une armoire, j'ai des petits trucs. Ça, bon, c'est bien joli, mais j'aime bien voir quand même. Bon, même si je ne vois pas là sur le côté, je vois toujours sur le dessus ce qu'il y a. Voilà. Puis avec la Dymo, je me mets une étiquette. Et puis voilà. Donc voilà mes petits achats de scrap. Voilà. Bon, ça c'est entre les deux, ou scrap ou cuisine, je verrai. Bon, parce que des fois, voilà, c'est. Mais bon. Mais ça me. Maximum 200. Ouais, alors, maximum 200 degrés. Alors, s'il faut le mettre à 220, comment on fait? Ça va prendre dans le mobile? Oh là là! Ça va au lave-vaisselle? Aussi? Ouais, je vous parle du tapis de machin. Hein. Ça va au lave-vaisselle, voilà. Et là, hein, voilà. Maximum 200 degrés, attention. Hein. Mais bon, voilà. Donc voilà mes petits achats du jour. Donc voilà. Donc, au fait, je vous ai dit, j'ai passé la barre des 500 abonnés. Pas beaucoup, 500 même. Mais c'est énorme. C'est énorme. Et déjà, j'ai pas dit au début. Et, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont. Toutes les nouvelles et nouveaux abonnés. Voilà. Et puis, je vous souhaite à vous aussi une très très bonne année 2023. Qu'elle vous soit heureuse. Et puis, comme on dit, beaucoup de pépettes. Bon, faites-y attention parce que c'est pas ce qui va nous attendre d'ici la fin de l'année prochaine. Donc, voilà. Mais bon, voilà. Moi, j'ai décidé d'acheter, mais d'acheter judicieusement, d'acheter réfléchi. Les nouveaux die, voilà, c'est comme je vous ai dit, si c'est pour les acheter, puis voilà, c'est comme ça, voilà. Donc, ben voilà, donc quand je serai prête et que j'aurai bien réfléchi pour ce que je fais, de toute façon, ce que je mettrai en lot,
Déjà, c'est ce que je vais vous demander. Voilà, ce que je vous demanderai. Mais ça, ce sera peut-être pas la prochaine vidéo, parce qu'il va falloir que je vous fasse une vidéo, la vidéo de Coco Rosa. Donc, il va falloir que je fasse une carte. C'est pas que je sais pas faire des cartes. Je sais, comme je sais faire des cartes, tout le monde sait faire des cartes. Ce que j'ai horreur, c'est imposer. C'est une imposition. Quelquefois, c'est pas une imposition. Bon, on les a acceptés, les partenariats. On a une obligation de faire des vidéos, de présentation. Je vais vous remonter vers moi, ça sera déjà mieux, parce que voir les boîtes, on s'en fout. Maintenant, hein, c'est pas. On a des partenariats, on choisit pour une certaine somme, comme je vous ai expliqué, des produits gratuits. En compensation, ben nous, on présente en vidéo ces produits qu'on met en ligne, que vous voyez. Nous, nous sommes obligés d'envoyer le lien de la vidéo à la société qui nous a fait le partenariat. Ensuite, bon, déjà, chez Coco Rosa, ils nous demandent de refaire une vidéo de tuto avec le matériel. Sauf que là, comme vous le savez, avant Noël, juste un peu avant Noël, j'ai perdu quelqu'un. Voilà. Donc, je les ai prévenus que, voilà, ils le savent. Ils me demandent simplement si j'ai fait des créations d'envoyer les photos. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Ni tuto avec ce matériel, ni création. En plus de ça, j'en ai oublié, bon, de vous en présenter. Mais enfin, bon, ça se rattrape. Donc, moi, dans tout ça, je veux être réglo. C'est-à-dire que j'ai fait ma vidéo de présentation, je vais faire une vidéo, là, d'ici quelques jours, avec le partenaire, un tuto, avec les produits que j'ai commandés. Voilà, qui m'ont octroyé gratuitement. Parce qu'entre-temps, j'avais commandé, au cas où, déjà parce que, bon, en début décembre, comme vous le savez pour certains, j'ai été hospitalisé. C'était un examen de contrôle, mais sous anesthésie générale. Ça n'a pas été évident de s'en remettre. Plus je rentre dans l'âge, je peux vous dire qu'il y a un moment, on a voulu être costaud. Mais bon, c'est bon. Et oui, Torikiki Mouse costaud. Oui, je sais, c'est moi. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Oui, mon bidule, là, ça me casse les pieds. Donc, voilà. Donc, d'ici, vous aurez très certainement deux vidéos. Une. Je ne sais pas dans quel ordre, celle de Coco Rosa, parce que j'ai donné ma parole et que je tiens à faire. J'y tiens à ma parole. Là, des fois, j'y mets le temps, voilà, mais là, les circonstances ont fait que je n'ai pas pu. Donc voilà. Donc, eh bien, là, je vous ai fait cette petite vidéo pour vous dire que tout va bien, que bon, j'avance. C'est pas évident. Là, il faut que je monte une armoire. Oui, une commode, tant que tu y es, oui, c'est une cathédrale aussi, bon, enfin, c'est pas grave. Une étagère pour pouvoir finir de ranger, voilà. Et puis après, bon, m'organiser, mais enfin, bon, déjà, une fois en étant rangé, je saurai à peu près où sont les affaires, mais m'organiser ensuite et faire le tri. J'ai fait du tri sur certaines choses que j'ai mis dans un carton. Donc, il y aura du action, il y aura du nose, il y aura des choses que je ne me serais jamais servi, mais qui ont été sorties de leur emballage, qui ont été mises dans des classeurs que j'ai fait avec des trucs aimantés, mais je vous les glisserai. Mais ils seront présentés de façon comme il faut, voilà. Puis pour vous, pour certains, ça les connaît. Et ce que j'aimerais, c'est qu'il y aura d'autres choses qui ne seront pas mises dans le concours, mais que je veux me séparer aussi, pour X raisons, voilà. Mais ces choses-là, ce ne sera pas à gagner, normalement. J'aimerais en faire profiter des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et je sais ce que c'est, et je sais de quoi je parle. Donc, là, j'en appelle à des youtubeuses qui me regardent, voilà, si elles ont dans leur communauté des personnes qui, excusez-moi, des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, si vous le savez, qu'elles me contactent. Mon adresse mail est toujours sous mes vidéos. Il n'y a pas de souci, là, ça c'est clair, il y est toujours.
Sinon, on ne serait pas contacté pour faire des partenariats. Voilà. Et c'est pas nous qui allons les chercher, hein. C'est eux qui viennent nous voir, hein. Après, on accepte ou on n'accepte pas. Voilà. Il y en a un d'ailleurs, je vais les relancer parce que faut pas m'appeler con. Voilà. Oui, mais je le dis, c'est comme ça, puis c'est pas autrement, quoi. Parce qu'on me contacte, on me dit, ah, c'est fait. Là, c'est bien, on est le 6 janvier. Depuis le 21 décembre, j'ai toujours rien reçu. Alors, je sais pas où ça en est, je vais les relancer. S'ils veulent plus le faire, ils veulent plus le faire, hein, qu'ils le disent. Voilà. Moi, c'est pas compliqué, hein. Je vais pas aller leur faire un procès parce que, voilà. Mais. J'aime pas, c'est le genre de choses que je n'aime pas. Bon, ils m'ont bien dit qu'il fallait 10 à 15 jours avant que les produits arrivent. Mais enfin, bon, depuis le 21 décembre, on est le 6 janvier, voilà quoi. Je veux bien qu'il y ait eu Noël, qu'il y ait eu, qu'il faut compter les week-ends, il faut dire, déduire les week-ends. On va attendre la semaine prochaine. Ben, c'est déjà, je vais attendre demain, voir s'il y a rien, ce qu'il y a au courrier. Et puis, s'il y a rien, eh bien, on va discuter là. On va discuter sérieux, voilà, parce que j'avais préparé une commande pour faire un complément sur cette boutique. Mais cette boutique, le panier, c'est dans le panier, mais je ne l'ai pas validé. Comme je vous dis, c'est des commandes, c'est des choses que je fais, mais que il faut que ce soit, pas justifié, mais que ce soit réfléchi, voilà. Donc, eh bien, sur ce, ben, je vais vous laisser. Je vais vous faire des gros bisous à tous. Et bienvenue aussi aux nouvelles, parce que ça fait chaud, hein. Je dois dire, je dois reconnaître que, bon, voilà. Je ne vais pas venir vous lécher les pieds, hein. Rêvez pas, hein. Non. Mais, il faut dire ce qui est. Je vous remercie. Voilà, oui, je sais, ça me gratte. Sinon, je n'ai pas de puce. Il n'y en a pas ici. Et puis voilà, et puis bienvenue parmi nous, et puis bienvenue aux prochaines qui peut-être s'abonneront comme ça. Mais en compensation, bon, je peux pas. Il y en a qui ont eu attendu les 600, donc ben, moi je suis heureuse d'avoir 500. Je n'aurais pas. C'est fait, 501. 501. Ben, voilà, comptez. Et une voix de plus. Hein. Voilà. Aux élections, ça compte. Hein. Oui. Bon, ben, je ne vous ai pas demandé de voter pour moi non plus. Hein. Mais non, pas ça. Hein. Voilà, donc, eh ben, voilà. Donc, je vous remercie à toutes et puis je vous tiens au courant pour ce concours parce que bon, je ne veux pas faire comme la dernière fois. J'ai balancé le concours, puis voilà. Donc, je ne vais pas faire 50 catégories ni quoi que ce soit. Il y aura un truc de précis, voilà, de demander et puis, il faudra que ce soit. La dernière fois, j'ai fait preuve de compatie, sachant. La personne, je ne l'ai pas comptée dans une catégorie parce que ce que j'avais demandé n'était pas entièrement respecté. Et par rapport aux autres, je ne voulais pas qu'il y ait ça, qu'il y ait de divergence. Donc il y avait eu quatre lots, donc trois lots et un lot de compensatoire. Et je l'ai classé je l'ai sorti des autres lots, des autres catégories et je l'ai mis dans la catégorie compensatoire. Quand on demande quelque chose, on écoute bien, voilà. J'avais fait une vidéo pour montrer comment je voulais, parce que bon, c'était une carte trombone altérée, alors j'avais fait un mélange de beaucoup de choses, voilà. Mais c'est vrai que c'était pas très évident, mais il suffit de revenir voir la vidéo, de s'arrêter, de reprendre, de prendre des notes. Bon, là, la personne, elle est en situation de handicap. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas exclue complètement. Mais là, ce sera des choses bien précises. Voilà. Après, un concours, c'est un concours. On demande quelque chose, voilà. Mais surtout, n'allez pas faire des paquets, des colis, des ci, des là. Je vous le dis, que je me sépare. Il y a des choses que je me sépare. J'ai fait comme tout le monde, j'ai eu la folie acheteuse. Donc, tout ce que j'ai et que pour moi ne sera pas utilisé là parce que c'est pas voilà où je n'ai plus l'idée là parce que ça a été acheté dans une idée et puis finalement ben, je suis là comme une andouille. Je suis plus apte à vous faire des comme les petites maisons le sol, des petits trucs comme ça des choses je ferai des calques. Ça je l'ai dit. Je me suis engagée, j'ai dit, il faut que cette année, j'arrive à faire des cartes, il faut que j'arrive à faire des albums. Un album, j'ai fait une structure, c'était en toile de jute.
avec des fleurs de jute, tout ça, vous l'avez vu. Mais je n'ai pas fait l'album. Il n'est pas fini. Il est, voilà. Donc, bon. Mais j'ai bien l'intention de le faire. Quand? À mon rythme. Voilà. Parce que je suis comme tout le monde. Moi, je suis seule. Je suis toute seule. J'ai des choses à faire aussi dans l'appartement. Donc, voilà. Et bon, ben, je ne veux pas vous faire un discours, hein, je ne suis pas le président de la République, la présidente, pardon, excusez-moi. Non, non, je ne suis pas. Non, fais, non, 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 alors là, surtout pas de politique ici, hein, bon, parce que alors, ça me rappelle à rétro de souvenirs, hein, les repas de politique. Hein, mais quand tu faisais des repas, puis, au milieu du repas, il commençait à avoir un petit peu chaud aux oreilles. Là, et puis il y en a un qui avait son idée, l'autre qui avait autre. Et personne n'essayait de dire, ah ben ouais, finalement, bon, mais bon, moi, je reste cantonné sur. Voilà, donc c'était la guéguerre. Et ça, c'était. Chaque repas de famille, c'était ça. Bon, donc voilà. Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie non plus. Hein, par contre, le retour de course de chez Leclerc, hein, je ne vais pas vous montrer que j'ai acheté du fromage, que j'ai acheté de l'eau gazeuse, que j'ai acheté des carottes râpées. Ben oui, j'ai acheté des carottes râpées. J'ai appris à les faire, elles sont bonnes, et puis voilà. Ouais, allez, on va faire ça. Voilà. Donc, voilà. Eh bien, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et bienvenue encore aux nouvelles et aux nouveaux abonnés. Parce que j'ai pas eu le temps de voir qui c'est, parce que je sais, on voit ou on voit pas, voilà. Donc, mais merci beaucoup à vous. J'espère que mais, vous serez ce que vous verrez par la suite, celle-là ou par la suite vous plaira. Et encore, mais, une bonne année aux nouveaux et aux nouvelles qui sont arrivés, aux nouvelles et aux nouveaux. Ça m'énerve. Voilà. Donc, voilà. Et bien, écoutez, je vous dis à bientôt. À la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, je vous fais des gros câlins. Kiki, il est là, mais il a pas mal. C'est pas la bonne patte. Voilà, il est là et il vous dit pareil. Voilà, pour les nouveaux, c'est la mascotte de la chaîne. Voilà. Ça y est? Ah, t'es content, hein, là, aujourd'hui, hein? Ah, ouais. Il a fini sa crise. Bon, mais maintenant, moi aussi, j'ai fini la mienne. Allez, je vous laisse. À la prochaine vidéo. Bisous et câlins à tous. Salut!